Yo les gens, c'est Fatman80HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis en live sur FIFA, oui ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo live. Donc pour cette vidéo ça va être très simple, ça va tourner autour du Harry Kane POTM. J'ai dit que je ferai une petite vidéo consacrée au Harry Kane. Donc la voici pour l'équipe, bon c'est mon équipe de d'habitude, ça ne change pas. Et donc sans plus tarder on va partir en match histoire de faire du sale avec le Harry Kane, du moins je l'espère. Une Barclay Premier League, il y a du Mertesacker, Martial en pointe évidemment, Solskjaer, je sais absolument, j'arrive jamais à prononcer son blaze à celui-là. Mais voilà, Solskjaer devant, un milieu Matic, Henderson, Lallana. L'équipe est sympa, après c'est vrai que c'est pas non plus la plus grosse première ligue sur laquelle tu peux tomber, bien évidemment. Mais ne jamais se fier à l'équipe d'en face, ça veut rien dire. Ça se trouve, le mec il est archi fort, il va me déchirer ma race. Donc c'est du match simple, bien évidemment, hein, parce que bon, j'ai envie de te dire. Voilà, parce que voilà, tout simplement, je pue la merde. Si ça serait en div, ça aurait été n'importe quoi. Ça commence mal là. Les buts sur les engagements, c'est vraiment une... C'est une engeance, hein. C'est une engeance. Bon, j'ai très très mal défendu en même temps, tu me diras. Mais il va falloir se reprendre très très vite, là. Déjà, je fais n'importe quoi, j'arrive pas à sélectionner mes joueurs. Donc, Martial qui passe à travers Ferdinand. C'est pas le pire début de match que je fais depuis le début que je joue à FIFA, ce truc-là, là. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe là, les copains? Oh, mais merde! Des remontadas, c'est possible, hein, on l'a bien vu dans le foot. Même si ça fait mal au cul de dire ça. Pourquoi c'est Sandro qui est en pointe là? Je ne comprends pas. Oh, super la petite. Hop, encore! Voilà, c'est ce genre d'arrêt qu'il faut faire. Ouh, Harry Kane! Voilà, Harry Kane qui réduit le score. Ça a été une. Hein, voilà, on galère à mettre des buts là, là très clairement. En ce moment, en plus, je suis vraiment pas en réussite. J'ai fait un match hier avant de... Mais en fait, c'est même pas ça. C'est hier, j'ai fait des matchs de club pro. Et je jouais buteur. Et je peux vous dire qu'au niveau de la finition, c'était n'importe quoi. Et ça se traduit là encore. Hein, parce que je sais pas combien d'occasions il me faut pour marquer. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Et son gardien fait l'arrêt. Et c'est ça qui est énervant. Peut-être le corner de l'égalisation, je ne sais pas. Quoique. Ah, c'est à côté. C'est toujours une galère aussi pour marquer sur corner dans ce jeu. Ouh, le retour de Sandro. J'ai eu chaud parce qu'il est pas loin de se la mettre lui-même, mais bon. On l'a vu l'appel, bah oui. Eden Hazard, Harry Kane pour Eden Hazard, normalement ça fait but. Normalement ça fait but, je dis bien. Bon, égalisons, s'il vous plaît. Voilà, égalisons. On a demandé d'égaliser, on a donné la balle à Mané. C'est toujours comme ça dans cette équipe. Tu veux égaliser, tu donnes la balle à Sadio Mané. Par contre, Hazard qui postérise un défenseur pour marquer de la tête, mais qui avant te rate un face-à-face tout facile en la mettant sur le poteau, j'ai quand même du mal avec ce genre de truc, moi. Ah oui! Wouh! Harry Kane! Voilà le doublé! C'est pour ça qu'il est dans l'équipe! Pour enquiller les buts, tout simplement! Là, j'ai pas compris. Ah, le crochet, il est parti très très vite. La frappe, pourtant, je la voyais pas. Je la voyais un peu molle. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait but. C'est ce dont on a besoin, surtout après ce début de match complètement catastrophique. Par contre, on va éviter de s'en faire avoir sur les engagements, s'il te plaît. Évidemment, évidemment, il suffit de dire ça. Je ne sais pas défendre sur les engagements. C'est une folie. En plus, je le sais très bien. On le sait tous que sur les engagements, t'as 5 minutes de gros flottement dans ta défense. Donc, faut défendre vraiment comme un malade. Voilà, tu vois, c'est ça, les engagements. On t'a dit, les engagements, c'est n'importe quoi. Triplé d'Harry Kane, il faut noter. Tu vois, je sais que c'était sur un engagement, donc j'ai frappé direct, angle fermé. C'est n'importe quoi, frère FIFA, c'est pire. Autant les années précédentes, sur les engagements, il se passait toujours des trucs chelous. Là, cette année, c'est pire que tout, mais vraiment. Là, tu vois, j'ai eu la balle.
Quand tu mets la balle sur un engagement, faut poser le pied. Faut poser le pied sur la balle. D'ailleurs, à noter que si tu interceptes un ballon sur un engagement et que tu te sens chaud, pars en contre-attaque, hein, parce que voilà ce qui se passe. C'est n'importe quoi. Vous avez vu le nombre de buts en... Attendez, enfin, je veux juste voir. Alors, attendez. En 10 minutes, donc oui, en 10 minutes, on a eu... Ouais, on a eu juste... on a eu 5 buts. Et donc, victoire. Victoire sur ce match, au final. Donc, ça a carrément changé mon gamer tag. Ça m'a donné suite de l'adversaire. Mais, ouais, un match n'importe quoi, très clairement. Bon, au final, c'est plaisant à voir ce genre de match parce qu'il y a du but, hein. Mais on a vu que les engagements, hein, c'était quelque chose de, d'assez n'importe quoi sur ce FIFA. Hein. Donc note de 10 pour Kane, 3 buts, pas de passe décisive pour lui. Par contre, Hazard met 2 buts, une passe D, 2 passes D de Sadio Mané. Ouais, bah, ça, Sadio Mané qui a fait le travail au moment où lui, on attendait ça. Donc 722 crédits, n'empêche, c'est pas mal. Puis les stats, au final, elles sont équilibrées, hein, parce que bah, ça a été quasiment le même match de chaque côté. Sauf qu'on a su faire la différence au moment attendu, quoi. Pogba, Suarez, SBC, Griezmann, Neymar. Il y a 2 joueurs bronze, donc je suppose que les 2 joueurs bronze, ils vont sauter après des changements. Boateng, Smalling, Walker à la barre. Ah, de la très très grosse équipe, là. Très très grosse équipe. Le mec, il a mis des bronzes, je pense que les bronzes, ouais, ils vont sauter. Super, super l'alignement de la défense. Bon, en même temps, quand je suis en train de presser au milieu de terrain, c'était logique, il n'y a plus personne derrière. Mais faut arrêter de presser comme ça, comme un con avec Ferdinand, ça serait cool. FN, ah, dommage FN Borg. Allez, Eden. Oh, mais non, mais Farman, c'est pas possible. C'est moi. Bah oui, ça rentre. Hein. Ramos, pied gauche, évidemment. Parce que on n'est absolument pas dans n'importe quoi sur ce match. Allez Harry, voilà Harry Kane, bien joué. On peut compter sur toi, tu vois. 4 matchs en 4 buts en 2 matchs, c'était sa vidéo, donc bon, au final, lui il fait le taf. Sur le, là il a très peu d'occasions dans ce match en même temps, c'est vrai que c'est un match très très serré. Mais bon, ce qui est rageant, c'est que t'as ce petit problème quand même de faute pas sifflée qui évidemment est problématique, hein, de ce qui est. Wouah! Il a tout. Non, mais. Faut arrêter! C'est pas sifflé encore! Et en plus, je vais prendre un but sur ça. Voilà, tu vois, je prends des buts sur des fautes non sifflées. C'est facile de marquer. Kane, il se fait enculer sur le deuxième but. Je sais plus qui se fait défoncer. Il y a rien, mais ça fait but sur la contre-attaque. Faut arrêter. Voilà, Harry Kane, peut-être la remontada avant la fin du... Enfin, l'égalisation, non? Mais ramasse la balle, mais... Ils sont chiants! Elle est morte. C'est la dernière. Putain. Bon, bah, fin du match. Fin du match sur ce raté de l'adversaire. Ça aurait pu faire 4-2. Au final, le match était grave serré. C'est juste que lui, il a su... marquer, quand il fallait marquer. Puis bon, moi j'en démords pas, hein, que l'arbitrage a été vraiment nul à chier sur le match. Pour moi, sur ces 2 derniers buts, il y a faute, hein, y a faute à la base. Et voilà, c'est du vol, très clairement, c'est du vol. Mais bon, l'objectif, c'est que le Kane, il ait quand même fait encore une fois un gros match. Et donc 5 buts en 2 matchs. On va terminer sur un 3ème en espérant aller chercher quand même une victoire. Will of Finland, le mec se nomme Dawit Kenyan. C'est un mix Ligue 1, Portugal Real. Juventus. En fait, c'est Real, PSG, Lopez et Juventus devant. Donc, à voir ce que ça va donner. La composition, le dispo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce dispositif-là. Oh là là, Chiellini ! Chiellini qui passe ! Chiellini qui passe ! Allez, il va centrer. Il va centrer. Oh là là. Non, Mané ! Mané, ce contrôle raté ! Mais non, t'as pas le droit !
Oh oui! Oh oui! Ouh là 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 là, c'était beau ça. Oh le long shot! Oh le long! Harry Kane, poteau! Mais il veut pas! C'est quoi ce Lopez? Normalement, Lopez, il est claqué dans le jeu. Oh, Sadio Mané, le geste totalement inutile. C'est absolument n'importe quoi ce joueur. Mais pourquoi qu'il y a... Mais... Oh là là, bah oui, but. Oh là là, la chatte! Mais... Oh là là, mais. Oh, c'est pas possible, Lopez. En vrai, non, 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 non. Là, c'est n'importe quoi. Ah, bah, quand même, enfin, un coup franc, putain. À la 66e minute du troisième match, il a fallu attendre la première faute sifflée. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce comportement-là? Et en plus, il va rage quitter. Mais voilà, c'est franchement, tu sais, la mentalité des mecs dans ce jeu, c'est du match amical, frère. Du match amical. Tu vas dans ce truc, moi je vais faire ma vidéo tranquille et je vais pas me prendre la tête. Tu tombes sur ce genre de folle, mais c'est horrible. Et d'ailleurs, dans les commentaires, faites-moi savoir si vous aussi, ça vous arrive de tomber sur des mecs bizarres comme ça. Parce que moi j'ai l'impression, en vrai, les matchs amicaux, ça joue plus sa vie qu'en division. Et je suis en division 1. Alors bon, il y a des matchs, le niveau est peut-être plus haut dans. Dans la division, mais en vrai, je galère limite plus par rapport aux matchs amicaux parce que voilà, les mecs ils jouent leur vie et tu tombes sur ce genre de mec avec de tels comportements. Et je pense que je vais couper la vidéo là-dessus sur ce coup de gueule. Donc, si t'as kiffé cette vidéo avec quand même un Harry Kane en grande forme, il faut le dire, même si sur ce match-là il est tombé face à un gros Anthony Lopez, si t'as kiffé cette vidéo, donc pouce bleu, lâche un commentaire, partage cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Et si tu as les crédits pour te faire le SBC Harry Kane, parce qu'il est encore disponible, si je tenais à faire cette vidéo avant la fin du SBC pour que vous ayez quand même un petit avis sur le joueur, n'hésitez vraiment pas à le faire parce que moi je trouve qu'il est vraiment sympa à utiliser dans le jeu. C'était FatMat91 HD, je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous. Ciao!